Bonsoir. Une petite vidéo assez rapide, très courte aujourd'hui, juste pour vous faire un petit point d'information et répondre gentiment, rapidement à Urban Evica, qui a aujourd'hui posté une vidéo sur Facebook en live où il disait son mécontentement, qu'il en avait un peu marre. Et oui, ça se comprend. Je suis tout à fait d'accord avec lui et j'aime bien Urban. Alors, je dis bien que j'aime bien Urban parce que je n'ai pas encore trouvé de fake et que, mais en même temps, je n'ai pas encore vérifié à fond. Donc, pour l'instant, moi, Urban, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je ne suis pas l'auteur de cette chaîne non plus. C'est un de mes abonnés. Et je suis très content de l'avoir comme abonné. Et ce qu'il a fait, c'est très très bien de nous faire cette liste. Il est tout à fait normal que tous les chasseurs de fantômes soient sur cette liste, soit parce qu'ils ont fait un fake, soit parce qu'on les suspecte. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a eu tellement. Voilà. Alors, il appartient plus aux chasseurs de fantômes qui n'en ont pas fait de montrer patte blanche, d'accord? Et plutôt que de se tirer dans les pattes ou de tirer dans les pattes des débunkers, plutôt que de faire ça, ben qu'ils aident à les débunker, à débunker ceux qui font des fakes. C'est la meilleure des choses à faire. Pourquoi? Ben parce que les fakes, c'est la merde. Ça sent mauvais et il faudra bien que ça s'arrête un jour. Surtout comme c'est parti. Donc bravo Urban. Juste un bémol, tu pourrais laisser un peu la parole à ta chienne, de temps en temps quand même. Voilà. Sur ce, pour vous dire aussi une nouvelle, c'est que j'ai invité à discuter avec moi quelqu'un que vous connaissez très bien. Notre ami Steve. Hein? Je l'ai invité pour un live dimanche soir à 19h. J'espère qu'il viendra, c'est pas garanti du tout. Aux dernières nouvelles, ce serait plutôt non que oui. Enfin, peut-être que, en voyant ce message, ça le motivera pour venir. Et on a pas mal de questions à lui poser, moi autant que d'autres personnes, et ce serait bien que, ben, il accepte d'y répondre. Voilà. En tout cas, sachez que le live aura lieu quand même, même s'il ne vient pas. C'est à lui de voir s'il veut venir répondre ou pas. Hein. Et si malheureusement il ne peut pas venir ce jour-là, et ben on en fera un autre s'il le faut. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et puis je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche soir si vous avez du temps de libre.